Et salut à toi YouTube pour cette Yannex of the Week numéro 20. Et pour fêter la numéro 20, on va faire une map sur des pontons. Faire une map avec ces items là. Comme ça, là, tic tac touc. On a aussi des bateaux, on va mettre des trucs. Voilà, tic tac. Et boum. Non mais on va faire ça. Et bah YouTube, on se retrouve. Vous avez en description, en vidéo non répertoriée, vous avez tout le mapping. Mais je fais un petit timelapse pour la vidéo de base qui démarre maintenant. Une fois que j'aurai démarré le timer, qui va démarrer dans... Attention, soyez prêts. 3, 2, 1, ça part. Listen to me speak, but just say what you want. What words will you keep? The ones that cause us harm. You assume the worst, but that is yet to come. Because you caused it first, and now we've come undone. Caught up in trying to find a problem. Why do we lose our minds? Sending us before we try.
On a fini, boum. C'est fini. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Ah, il manque peut-être juste une flèche au début. Ouah, peut-être une flèche ici aussi. What? Oh non, que j'ai touché. Ah, j'ai touché le dessous du bloc. Ok. Ok, hard fin. On peut même passer là. Et ben voilà YouTube, c'est la fin de ce mapping. On se retrouve pour les rounds. Je vais juste rajouter genre deux flèches, mais pas plus. Des bisous YouTube. Et YouTube hein, du coup pour les rounds. Donc knockout, 4 éliminés jusqu'à 16 joueurs si je me trompe pas. Exactement. Ensuite on aura 2 éliminés jusqu'à 8 et 1 éliminé. On est parti avec 89 joueurs en voiture avec Xnit. Sur cette map. C'est quoi le thème de la map? J'arrive pas à deviner. C'est les pontons. Oh, c'est... Y a pas vraiment de thème, genre... C'est des pontons, quoi. Mais c'était plus un item set que j'ai utilisé. Ouh, il le tente! Et ça passe pour Snit qui finit 5ème là-dessus. Très très belle fin avec la trajectère. En fait, le thème, c'était très exactement... attendez, je trouve ça. Le thème, c'était ça. Parce que j'ai téléchargé ça et j'ai utilisé là. D'ailleurs, j'ai pas utilisé ces petites maisons, j'aurais pu. My bad. Mais je suis très content du résultat. Pour 45 minutes de mapping, du coup. Et on se remet sur la bonne scène. Et on a quand même 21 joueurs éliminés sur le premier round.
rappelle que la map est disponible sur la campagne YOTW pour ceux qui seraient éliminés et qui voudraient quand même continuer à jouer la map. Elle est cool, mais trop de speed check. Je suis pas vraiment d'accord parce que les speed checks ils sont vraiment larges. Merci Maxo pour le cinquième mois. Oh, je suis content parce que si ça, ça passait, ce serait presque trop simple comme Hardfin. Avec la trage inter. Du coup, tant mieux qu'il y ait ça. Ok, voyons voir Otancho. Dans la transi ici, très bien prise. Ouh, ça clip un petit peu, ça va. Il reste 10 secondes. Faut aller prendre le safe in tout droit là. En espérant des erreurs de vent. Et non. Ça ne suffira pas malheureusement. Par contre, Nopix qui s'est fait un petit peu peur. On respecte justement Nopix. Oh, il y a Topo. Topo guy. Stylé. Stylé qu'il soit là. Ta-da-pam-pam. Je voulais voir Nopix justement, mais ça va remettre dans l'ordre. Ouais, ça. Nopix. Ouais, le speed check du début est pas facile. Je viens de débuter le jeu. Bah en vrai pour le pour ce que j'espère que tu t'en es très bien sorti. Je pense que t'as dû stuck un petit peu au start. Mais franchement, c'était une belle run sur la fin. Ouh, Gold qui doit respawn, mais ça va pour l'instant y a pas mal de choke. Nopix qui rate ici son inter. Qui va devoir aller prendre le easy fin. Est-ce qu'il a... Oui, il a la speed. Heureusement qu'il y a cette petite montagne hein, qui a été rajoutée. Et Patrice Tounet ? Non, non, non. Patrice Tounet, safe. Safe. Et c'est fait pour Patrice Tounet. Oh, du but qui est passé alors qu'il avait hardway, respawn. J'ai une bonne config, mais je lag à mort en serveur. Est-ce que ça peut être dû à la connexion internet? Oui. Faut aussi checker tes graphismes. Ouh, Solar Fire qui galère un petit peu sur ce start. Ok, le jump qui est passé, mais l'air break qui va le faire clipper. Ouah, il se prend en plus cette flèche, c'est dommage. Ok, tout droit. Ouais. Ok. Ok, pas mal. Mais il a deux personnes à dépasser. Ça peut être compliqué, Slicer. Qui passera pas le jump. Voyons voir la fin de Solar Fire. Qui peut décider. Est-ce qu'il va continuer cette compétition? Le drift qui est bien anticipé. Le tout droit sur le safe pin. Est-ce que ça suffira à dépasser Baba Cool? Et Baba is not cool. Malheureusement, 57ème. Très très belle fin. Is no good. Ah, c'était une ref à Baba Is You pour ma part. Ok, Patrice par contre là. Faut faire gaffe hein. Ouh, Plixi aussi qui a respawn. Il a du double respawn Plixi.
Ouah, ça jump assez à droite, mais heureusement que la barrière, elle est là. Pour Patrice, attention, la hauteur, il faut... Ouais, c'est le speed check le plus compliqué, je dirais. Oh, t'avais pas besoin de le prendre, en pire, ce turbo. Bon, là... Ça commence à être compliqué pour Patrice. Ok, ça a tourné à gauche. Ouais, c'est le speed check le plus dur, je crois. Et ça a give up. On a Solar Fire aussi qui est out. Je suis vitesse. Et bateau tigre. Un tips pour pas clip le landing du premier water bounce. Vous clippez, vous? J'ai jamais clip. J'ai fait un 3-6. Ok, ouais, je pense que si tu prends un drift... En fait, si tu vas chercher l'exter ici, drift et boom, là, tu vas peut-être trop vite, ouais. Je sais pas si Enix a eu besoin de release. Les belles transits... Plixie contre Enix, Enix très agressif, est-ce qu'il aura le hard fin? Le poteau qui est pris. Attention à pas trop stuck non plus, est-ce qu'il y retourne? Il y retourne et c'est fait pour Enix, 14e place. Attention à Optimum qui est pour l'instant 49e, mais on voit beaucoup de respawn. Ça va aller safe, mais attention à ce poteau, ça passe en dessous. Et ce sera une 46e place, on a Technoway, on a eu beaucoup de respawn ici. Technoway qui je crois DNF effectivement, Yok. Yo qui ne passera pas, c'est Beedlewolf qui prendra la dernière position. Merci, je suis vitesse, c'est gentil. On perd du coup quelques joueurs et on arrive à 49 joueurs, je crois. 48. Allez, on va regarder Pixie hein, qui a raté son start tout à l'heure. Ok, cette fois... C'est tout bon, mais il avait raté un petit peu plus tard. Il avait double respawn à ce CP là. Ah, il s'était sûrement pris le CP à gauche, justement. Ok, ça limite le airtime, ça remonte bien sur Enix. La transi ici vers la droite, le drift qui est bien enchaîné. Ça a un petit peu plus drift du côté de Plixie. Et ça prendra le hard fin. Enix et Plixie, joli 1v1. Ok, on a Shrimp qui se prend malheureusement la barrière. Ok, ça va terminer. Et dans l'eau, Shrimp, juste ici, qui sera out, qui pourra retourner à son état. Heureusement qu'on termine dans l'eau. Un an, waouh. Et merci Auron pour le 13e mois. Merci beaucoup. Allez, voyons voir Cardio, joueur belge. La transi drift ici. Ok, attention à pas avoir trop de vitesse, sinon on clip. On a vu Plixie justement. Ah, désolé hein, les gars. J'ai pas pu faire beaucoup de tests. Sorry. Ah, je déteste les maps où on peut aller trop vite. Ender qui rate sa fin cardio aussi. Attention, il faut respawn. Ça continue, ça retente le hard. Attention à pas perdre trop de temps. Cardio. Ouh, et ça passera pas. À 2 secondes près. Ciao Auron, encore merci hein, pour le 13e mois. Il est un an. Il est un an complet. Merci beaucoup. Et salut Bouka. Et voyons voir Yog. Ouh, Enix très agressif sur le start qui ne passera pas, qui a du respawn. Qui va se retrouver dans les derniers. Mais bon, je me fais aucun souci pour lui. Ah ouais, on voit vraiment Plixie à chaque fois clip.
Je pense qu'il essaye de calibrer le release qu'il peut faire. Voilà, Transit Yogg, on a vu quelqu'un se crash à gauche. Ouh, Yogg qui clip. Attention. Ok, cette fois-ci, la transit est bonne. Et ça passe directement tout droit pour aller au safe in. C'est bien pensé, on a Elix. Elix qui est passé de justesse. Beedle Wolf, cette fois-ci, ne passera pas. C'est Tunix qui prendra cette 36e place. Et Beedle Wolf qui avait plusieurs fois terminé en orange. Mais malheureusement, cette fois-ci à une place près, c'est fatal. Et ce sera une 36e place. 37. Allez, on est reparti. Avec Goldie. Et pas Gold. Parce qu'on a Goldie.tm et Gold.tm. Sur ce serveur-là, c'est incroyable. Oula, par contre, ça prend vraiment beaucoup de airtime. On a... j'ai pas vu qui s'est loupé sur la droite, mais... c'est assez grave, Phoenix qui rate un petit peu sa transi, Goldie qui tente le Hardfin qui ne clip pas et c'est une cinquième place. Très joli finish, on a Cédécasm pour l'instant les dernières places. Roméol qui va être in à un point près, c'est Nixobi. À une place près, pardon. Nixobi à point 4 qui ne passe pas, ainsi que Sylvain du Drift, Cédécasm et Dubu. Dommage pour Nixobi. Hein. Le hard porte vraiment bien son nom et aura eu raison de moi. Ouais, je comprends un peu la même chose que Cardio. J'espère que tout à l'heure il était en respawn. Il respawnait en boucle sur le hard fin. Et voyons voir Ender. Ender ici qui lâche un petit release pour éviter de clip, mais il l'a pas fait son petit release. Apparemment, on peut aller un peu trop vite. Et clip la transi. Mais Ender avec une très très bonne fin. Ça va. Pas la meilleure des fins, mais au moins il save sa trash. Tunix. Tunix qui est out. 31ème place. On a Jungle Corp aussi, 30ème. Et Nixo. Round d'avant, c'était Nixobi. Maintenant, c'est Nixo. Map pas facile pour les nullos comme moi, mais agréable et soyeuse à jouer. Merci. Avec grand plaisir, Lulu. Bah, désolé, hein, y a des transis, y a des jumps où c'était difficile de faire des ways. Genre le water bounce. C'est pas facile de le faire bien pour tout le monde. J'ai passé un bon moment dessus. Par contre, la fin, je l'ai vraiment fait en 2-2. Hein. Speed Self qui a pris le finish, c'est tout bon. On a Brandom un petit peu dans le mal qui va aller safe. Est-ce que ce sera suffisant pour Brandom? C'est non. Ça devait aller chercher le hard. Il a tenté une petite prédit quoi. Il y a Brandom, Elix, Yakal et Tom qui seront out. Truc act. Je t'ai toujours regardé sur YouTube, mais je viens sur Twitch pour te voir pour la première fois et pas la dernière. Eh ben merci d'être là. Merci à toi, c'est très gentil de venir depuis YouTube sur Twitch. Il y en a quelques-uns ces temps qui font la transition. Et je suis sûr qu'ils sont plus que ravis, alors que Liker qui va clip la barrière sur le côté. Ça va être dernier. Hein. Pour l'instant, on a Inno, Snopix et Snaxy aussi derrière. Attention, on a eu une erreur, Liker qui sera in. C'est Inos, attendez, Inos. Est-ce que Inos est in? Pas encore. Il faudrait une erreur pour Inos. Oh, il y aura sûrement un respawn. Il y a un respawn de Kama sur le hard, ça va aller tout droit.
Einos qui a tenté le hard et... Non. Je crois qu'il a tenté le hard une fois et qu'il a respawn. Ouais. Tu vas voir, tu seras emmerdé après car tu auras plus rien à regarder sur YouTube. Eh bah dis-lui de dégager aussi directement, ce sera plus simple. Ah écoute, ça c'est votre problème si vous avez plus rien à regarder. Allez, oust. Non, c'est gentil. Ouh, 9 vues. Oh, Kama aussi qui a raté. Bon, bah, au revoir. Mais non, mais c'était une blague. Mais tu sais, il disait en mode reste sur YouTube, t'auras plus rien à regarder après. Vas-y, ciao ciao, Nopix, avec plaisir. Attendez, on a Jean Pieuvre. Ouh, le respawn de Elfafa. Qui peut mettre bien Jean Pieuvre. Voyons voir le double bounce. Et ce sera in. C'est Elfafa qui lui offre cette position. Je crois qu'en plus, Elfafa, il a double respawn à la place de respawn. Oh, Kama. Ouais. Compliqué. On a Mange-moi le boulet aussi qui va être out en 19ème. Super Look Black. Et Elfafa. Allez, on est reparti top 16 déjà. Et on a Plixi. Plixi qui avait tendance à clip. On va voir si ce sera le cas cette fois. Il clipait très souvent cette transi là. Cette fois-ci, c'est bon. C'est bien maîtrisé de sa part. On a Enix, Ender, Plixi et Speed Self. Ouh, le petit cut jump de Plixi qui va slow down sur la transi. Est-ce que ça va lui coûter sa place? Pour l'instant, c'est une 10ème place. Ça va, on a des gros chocs derrière. On a Swig Up contre Tarpor. Ouh, on a du respawn sur la fin. On a Enix et Ender qui ont respawn. Lil C, ça va, il est bien placé. Ce sera Swig Up qui va être out. 15ème place, suivi par Jean Pieuvre en 16ème. Ça n'a pas pu profiter de plus d'erreurs. On a Ender et Enix hein, qui se sont fait peur. Surtout qu'ils ont été safe, je crois. Mange-moi le boulet a fait des perfs récemment. Ouais, il est pas mal. Il stream aussi un petit peu sur sa chaîne, je crois. C'était pas allé voir en même temps. Oh, Obito! Qui a... Je sais pas, il avait pas la speed. On a Yogg aussi qui est loin. Où ça a l'air d'être plié. Hein. Rain Rusher normalement aussi. La fin, elle passe. Ouh, Tarpor. Tarpor qui a respawn, Obito. Qui snipe Tarpor grâce au Hardfin. Très très belle remontée, Obito. Hein. Qui savait qu'il avait plus que ça à faire en fait. Ah là 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 là. Le risky de merde, oui. Top war. Avec plaisir, Jean-Pierre. Merci d'avoir participé. No worries, top war. Thank you for playing. It's a pleasure. We are gonna do another round if you wanna play again the map. Up to you. Ok, Lil C qui a eu un petit peu de peine, Ender, pour l'instant 11ème. Perfect. Ender avec le safe in, est-ce que ce sera suffisant? Oui! Liker qui a raté sa fin. Liker qui a DNF même, je crois. Ah non, il a juste fini à... 21 millième. Ah merde. Ah, il a dû finir dès l'instant. C'était très close pour Ender. Et on a Rain Rusher que j'ai pas trop spec. Swogza non plus. Skouza. Oh, Enix qui a touché. On a eu un respawn. Novu qui se retourne. Et là, c'est le...
C'est le double respawn obligatoire, Novu, qui va même give up directement. Ok, Plexi qui profite d'une erreur d'Ender qui tente le hardpin. Et ça passera. Et Ender qui sera éliminé en 9ème place. 10ème place pour Novu. Je peux comprendre... comprendre Novu, mais après tellement de rounds, tu sais quel speed tu dois avoir pour cette transi, j'imagine. Entre Obito qui tient vraiment bien. Ok, personne à clip cette fois-ci. Aucune erreur sur ce start. On a une meilleure transition d'Obito par rapport à Gold. Et on voit la récep ici, le turbo qui est bien pris. Beaucoup d'airtime pour Gold. A voir, personne ne clip. Pour l'instant, on a un très joli round. Skouza qui tente de tenir, qui va aller hardfin. Gold qui tente le hardfin, peut-être pour dépasser. Et c'est Obito avec le safe-in. Oh, personne a raté le hardfin. Yeah. Quel round. Merci beaucoup, Ricornichon, pour le thé, hein. Très gentil, bienvenue à toi. Ah, ça rigole plus. Hein. Très très serré. Pourquoi je save, moi? En vrai, t'as clutch un round sur un hard fin. Et là, tu te fais out à cause de ça. C'est un peu le comble. Allez, voyons, on va Rain Rusher. Ouh, Enix a failli toucher sur la gauche, mais ce sera pas le cas. Encore une fois, un round où personne ne choke. Rain Rusher un petit peu plus externe. Il va pas avoir une bonne réception pour conserver sa speed. Il va se faire encore plus distancer. Mais il peut profiter encore d'une erreur. Et c'est Skouza qui va la faire, cette erreur. Ça va offrir la 6ème place normalement. Rain Rusher qui part complètement à l'ouest. C'est pas terminé. Il a 8 secondes d'avance. Même 10 secondes. Le gagnant de la Yannex of the League gagne quoi? Rien du tout. Merci Ender. Désolé pour le release obligatoire au début. Je sais que ça peut être très dérangeant. C'était pas du tout voulu de ma part. Et merci Samod pour le Prime. Honneur, gloire et beauté. C'est pas mal, hein. Qui ne veut pas ça, quoi? Toute la reconnaissance du stream. Ouh, Gold qui a clip. Attendez, est-ce qu'on a une erreur? On a une erreur encore plus grave de Rain Rusher. Ah, ça va être compliqué cette fois-ci. Gold qui devrait safe normalement. Oui, c'est bien joué. Et Plexi qui rate sa fin. Est-ce que ça profite à Rain Rusher? J'ai bien l'impression. Et c'est Plexi. Attends, quoi? Oh non. Rain Rusher à safe. Plexi à hard. J'ai pas eu le temps de voir Plexi, à mon avis. C'est ce qui s'est passé. Respawn hardfin, ouais. Je pense qu'il était pile dans l'angle mort de Rain Rusher. Du coup, je l'ai pas vu. Et bah, GG à Plexi, je l'ai vu respawn. J'aurais dû switch instantanément sur lui. Il suffit la win des BDS ou RL16. Bien sûr que j'ai suivi. J'ai regardé tout le week-end, même les white cards où BDS ne jouait pas. J'ai tout regardé. Enix qui rate sa transi. Il est parti trop à gauche. Et du coup, il a clip ça. Il a tenté un hard feed, mais à mon avis, tout le monde a déjà fini. Hein. Et oui. Très bien, 5ème place pour Enix. Allez, on est reparti. Plexi, Speed Self, Gold et Frizouille. La transi est pas mal. Frizouille qui a trop de speed. Mais là, tu vois, on voyait qu'il avait trop de speed.
Tu préfères speedmapper ou voir les joueurs jouer sur tes maps? Speedmapper, je pense, mais l'un va avec l'autre, tu vois, c'est ça qui est... Ouais, Gold à Ulfin. Et Frizouille qui va être éliminé. Et il termine sur un petit hardfin magnifique. Mais si je devais choisir, je préfère speedmapper que regarder des gens jouer. Oh, c'est toujours agréable de regarder. Ok, on a entendu le release de Speedcell justement. Faut pas clean gold un petit peu trop sur la droite. Mais ça va, il récupère bien sa trage. Voyons voir le airtime qui est un petit peu plus minimisé du côté de Speedcell. Mais gold avec une bonne transition qui va revenir. Tout va se jouer sur le dernier drift. Speedcell très intérieur. Gold peut-être avec le hardfin. Et ça se joue à quelques centièmes. 2 centièmes là-dessus entre gold et Speedcell. Speedself un petit peu trop inter sur ce dernier drift qui lui coûte la vitesse. Et donc Gold peut remonter. Et on a la finale. Plixi contre Gold. C'est parti. Le petit release qui a été fait en early. Ouh, c'est trop sur la gauche. Ça a raté sa transi, mais Gold est... Ah, pas si bien réussi non plus. On va voir, ça peut remonter le airtime. Encore une fois, de la part de Gold qui est un petit peu trop élevé. Ça permet à Plixi de remonter petit à petit. Le drift qui est bien lancé de la part de Plixi. Le hardfin. Et ça touche. C'est dommage, ça a tenté. Ça a tout tenté pour Plixi. Mais ça s'est pris l'obstacle le moins bien placé de cette map. Il vole, il est mal placé. C'est dommage. Il avait fait une très belle remontée, Plixi. Hein. Mais c'est Gold qui l'emporte. GG à lui. Et YouTube, on se retrouve pour regarder les WR juste après. A tout de suite. Et du coup, à YouTube pour checker les WR. Et du coup, c'est 30.068 de Kama. Ok, pas mal, pas mal. Intérieur, pas besoin de release du coup. Ah, dommage, Ender. Ça évite le airtime. Très intérieur, bam, la transi. Ah, c'est pas mal. Et la fin, quasiment full speed. Ouais. Ouais, il y a du 29.8 à aller chercher, mais. En tout cas, pour le temps que la map est sortie, 30.0, c'est très propre. GG Akama pour ce temps, on a aussi Enix en 0.0, Ender 1, Tunix, Frizouille. La map est pas mal huntée. Je rappelle que les maps sont disponibles dans la campagne YOTW. Pour ceux qui ont la version standard, vous pouvez y avoir accès en passant par Play, Solo, Campagne des clubs. Et ensuite ici, vous cherchez YOTW et vous avez directement cette campagne avec les 20 maps. Les 20 maps actuelles de la Yannix of the Week. Voilà. Et c'était du coup l'accélération. J'ai beaucoup aimé cette Yannix of the Week. J'espère que toi aussi YouTube. On se voit très bientôt. Pense à t'abonner, liker. Des bisous. À bientôt.